tout le monde. Donc, j'ai décidé que j'allais vous tourner le tag Instagram. Je me rappelle plus exactement qui m'a tagué. Il me semble que c'était Glitter and Black, donc Laurie. Merci de m'avoir tagué. Il me semble vraiment que c'est toi. Donc, je vais faire le tag parce que beaucoup de monde m'ont demandé de le faire ou j'ai des questions sur mon iPhone. Donc, la première question qui est en fait la question zéro, c'est ton Instagram. Donc, mon Instagram, en fait, c'est xbarbieiiex1. Exactement comme où vous me suivez ici sur YouTube. Donc, c'est exactement le même nom. Première question. As-tu Instagram depuis longtemps? Depuis quand? Donc, j'ai Instagram depuis environ début décembre, fin novembre. C'est à ce temps-là que j'ai reçu mon iPhone 5. Ça me semble que j'avais commandé en novembre puis je l'ai reçu à la fin novembre. Novembre, je dirais. Donc, pas depuis tant longtemps. C'est novembre 2012. Là. Donc, même pas un an. Deuxième question. Quelle a été ta première photo postée? Donc, on va aller voir ensemble parce que je me rappelle pas exactement. Ah oui, je pense que c'était une photo soit de ma peau sans maquillage. Ah non, même pas. Ça, c'était la deuxième. Donc, ma première photo postée, c'était il y a 31 semaines. Et c'est un Insta haul de chez Lush. Donc, c'était les produits Fun et l'exfoliant Popcorn. Comme ça. Puis, vous pouvez voir mon nom en haut, là, mais c'est exactement le même nom. Donc, c'était cette photo-là. Deuxième question. Ben ça c'était en fait la deuxième question. Troisième question. Vas-tu souvent sur Instagram? La fréquence jour-semaine. Donc sérieusement, je vais comme 4 fois par jour environ. Ça peut être 3, ça peut être 7. C'est vraiment... Je suis accro à Instagram là, pour vrai. J'y vais tout le temps. J'aime pas ça que pas y aller pendant un bout. Supposons comme 5 heures pour moi c'est un bout. Parce que là, t'as trop de photos à regarder en même temps. Mais moi, je veux comme toutes les voir bien. C'est ça. Désolée pour mon chien derrière. Hein? Quatrième question. Quelle est ta pire photo sur Instagram? Donc, ma pire photo, sérieusement, là, j'ai aucune idée de quelle est ma pire photo. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai plusieurs photos avec des masques, mais tu sais, c'est pas une... Pas nécessairement des faces que je fais dures, là. Faut vraiment, là, j'ai pas de... J'ai des photos au gym, mais je fais... Je suis pas tant dure que ça, là. Non, on va dire une photo avec un masque. Puis, quelle photo j'ai postée récemment avec un masque? Il me semble que j'ai posté le Glam Glow. C'est pas une photo que je fais dure nécessairement, mais... J'avais cette photo-là avec le Glam Glow. J'ai plein de photos avec des masques, vraiment, là. J'avais une photo avec le masque de Boschia bleu, comme ça, où j'ai l'air genre d'un schtroumpf. On va dire c'est elle. Donc, c'est ça. Cinquième question. Quelle est ta photo sur Instagram qui a le plus de succès selon toi? Donc, là, c'est parce que avant j'avais vraiment moins d'abonnés. Donc... la photo qui avait eu vraiment le plus de succès, que j'étais genre « wow, j'ai eu tellement de likes », mais que, dans le fond, j'ai des photos que j'ai plus de likes que ça, mais dans ce temps-là, c'était la photo que j'ai faite que « oh my god, j'en ai eu vraiment beaucoup », puis c'était la photo de mon tatou. Puis c'est pas la photo qui a le plus de likes, j'ai 519 likes, mais j'en ai maintenant qui ont environ, supposons, 700 likes. Je vous la montrer après, là, mais... Celle-là, dans ce temps-là, il y a 19 semaines, c'était vraiment, vraiment beaucoup. C'était celle que, supposons, toutes les autres avaient 300, puis elle, j'avais eu 519. Donc, c'était la photo de mon tatou qui n'était pas finie encore. Donc, ma première séance, en fait, de mon tatou. Donc, elle avait vraiment, vraiment été aimée. Puis, une autre qui a été beaucoup aimée, c'était une photo... la photo pour mon... Pas ma graduation, ma... Ouais, 768 likes, je pense que c'est une des plus, là. Celle qui était pour ma remise de diplôme, celle-là. Elle avait été beaucoup aimée. Fait que je pense que c'est pas mal dans ça. Sinon, l'autre qui avait été très populaire, c'était juste un peu avant, 686 likes. Puis c'était un aperçu de mon outfit of the day, comme ça ici. Sixième question, combien as-tu de... followers, abonnés sur ton compte Instagram et combien suis-tu de personnes également? Donc, j'ai 5252, donc 5,
5252 abonnés et j'ai 187 abonnements. Vous pouvez le voir ici. Septième question, qui est la dernière personne à avoir liké une de tes photos? Donc, on va aller voir ça en ce moment même. Je vais actualiser. Et la personne a aimé il y a 2 minutes, c'est une photo de sushi et c'est Nao1995. Ici, dans le haut. Huitième question, c'est une personnalité ou marque qui te suit et que tu suis et une qui te suit toi si c'est le cas. Donc, je sais pas qui me suit moi, mais je sais pas ceux qui me suivent exactement, mais c'est pour ça que j'ai des marques qui avaient comme... Tu dis des commentaires sur mes photos, mais on peut pas voir qui est abonné à notre chaîne. C'est à moins que, à notre Instagram, à moins que le monde, que tu regardes tout le monde qui te like, mais non, je fais pas ça. Mais sur ma photo, supposons mon masque de Boschia, il y avait Boschia qui avait écrit ici, qui avait liké la photo, qui avait mis un petit cœur en dessous. Donc la marque Boschia, mais c'est comme je dis, je sais pas si ils me suivent là ou quoi que ce soit. Il y avait aussi la marque Michael Todd, quand j'avais mis les produits de cette marque-là, il avait commenté ma photo, mais je m'en rappelle plus trop. Puis moi, qui que je suis, ben, je suis comme, c'est les filles de Pretty Little Liars, ouais, c'est sûr que je suis toutes, mais tout le monde de Pretty Little Liars en fait. Puis je suis aussi, c'est quoi son nom déjà? Yann? En tout cas, Damon dans Vampire Diaries, je le suis aussi. Donc, c'est ça. Neuvième question, montre-nous une à trois de tes photos préférées sur ton compte Instagram. Donc, mes photos préférées à moi... il y a dans les photos de mon bal, cette photo-là, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Elle a 661 j'aime. Vous l'avez aimée quand même, elle aussi. Donc, c'est celle-là. J'aime vraiment beaucoup parce que j'aimais juste trop ma robe. J'aime qu'on voit mon tatou, j'aime mon maquillage. Vraiment, j'adore. C'est sûr que j'aime la photo de moi et mon chum comme ça aussi au bal. Les photos de mon bal, je les aime beaucoup, beaucoup. Ah, une autre photo que j'aime, c'est le jour où j'allais prendre mes photos de finissante. Ouais, je l'ai trouvée. On dirait que mes cheveux sont genre tout doux. Parce que je l'aime. Cette photo-là. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est avec mon uniforme d'hygiéniste dentaire. Donc, là, ça fait 3 photos que je vous montre. Je vais vous en montrer une autre. Ah, une que j'aime vraiment beaucoup, là. C'est une photo de mon... Ah, j'aime celle-là aussi. C'est à la Saint-Patrick au Sephora. Comme ça. J'aime bien. Puis, une autre que j'aime, c'est vraiment elle. Cette photo-là de mon tatou, je la trouve juste trop belle, là. Pour de vrai, là. Je la trouve juste parfaite. Et on voit comme... On dirait qu'elle est juste coupée parfaite, là, avec ma boucle d'oreille et tout, là. Oh my god. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc... C'est ça. Merci à Olivier de Studio Tattoo Mania en passant. Même si il n'écoute pas mes vidéos, là. Merci. Bon. maintenant, 10e question et dernière. Quelle est ta dernière photo qui apparaît sur la page d'accueil de ton Instagram actuellement? Donc, on va cliquer pour actualiser. Et c'est une photo de Amarix de YouTube qui a mis cette photo d'elle jeune. Puis l'autre photo avant, c'était Au revoir XO qui avait mis photo. Elle fait tout le temps des combos là, de lèvres. Donc c'était ça, le tag Instagram. J'espère vraiment que ça vous a plu. Désolée vraiment pour l'éclairage, il est 7h50. Mais je voulais vraiment filmer des vidéos avant de partir.